Les amis, bienvenue dans ce vlog numéro 12. J'allais hésiter sur le nombre, bon, je me perds un petit peu, mais c'est le 12, je pense que c'est sûr. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très content de vous retrouver ce matin, une fois de plus, pour une nouvelle journée. Alors, en cette matinée, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai déjeuné, déjà, voilà, c'est déjà pas mal. J'ai exporté aussi la vidéo de ce soir, je l'upload, elle est en train de se télécharger sur YouTube. Je vais quand même vérifier, on sait jamais, avec ce qui m'est arrivé la dernière fois, voilà, on n'est jamais trop sûr. J'ai bien évidemment, et ça vous en doutez, regardé des petites vidéos YouTube. Ah ben, je peux pas commencer une journée, les amis, sans me divertir un petit peu, sans regarder une petite vidéo YouTube, c'est la base. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous faites le matin? Vous écoutez la radio? Vous regardez la télé? Vous avez votre émission favorite? Je sais pas, peut-être des vidéos aussi comme moi, dites-moi. En tout cas, je me suis occupé un petit peu de tout ça, j'ai également mis des petites stories sur Instagram pour demander comment vous allez, et aussi pour vous dire qu'il y avait une petite pluie d'étoiles filantes ce soir, mais attendez, c'est une grosse nouvelle ça. Alors si vous voyez ce vlog et que vous n'étiez pas au courant, vous arrivez un petit peu tard. J'ai envie de vous dire, là c'est passé. Quoique l'été, je pense qu'il est possible d'en voir à peu près tous les soirs. Si on a de la chance, attention. Mais là je suis descendu, je vais me prendre en photo pour faire la minia du vlog qui est sorti hier pour vous. Et que j'espère que vous avez vu. Et que j'espère que vous avez mis votre petit pouce bleu dessus. Hein, très important. En tout cas, comme vous pouvez voir, je veux la jouer un petit peu. Alors j'ai mis mon casque autour du cou, je me prends pour un DJ ou quoi là? Je me prends pour David Guetta, hein? Non, c'est juste qu'il y a à peine 30 secondes, j'ai écouté, enfin 30 secondes, j'avais déjà commencé à parler. Mais il y a bien 5 minutes, à peine, j'étais encore en train d'écouter de la musique. Parce que oui, j'écoute de la musique depuis que j'ai un casque, c'est faux, j'écoute tout le temps de la musique. Ok? Parce que c'est la seule chose que j'écoute. C'est la seule chose que j'écoute. C'est la... Je suis dyslexique ou quoi? Je voulais faire une petite punchline en disant, moi j'écoute pas les rageux, mais non, ça passe pas. Je suis obligé de bégayer en plein milieu de la phrase. Je me saoule, la journée va être longue. Bon allez, je fais ma petite photo pour la minia et ensuite il faudra que je vous dise quelque chose. Deux petites choses, je crois. Je crois que c'était deux. Je sais plus. Ah oui, c'était deux petites choses. Exact. Bon, on va user de notre génie un petit peu. J'ai trouvé ce verre que j'avais eu pour mes 20 ans, comme vous pouvez voir. Voilà, le verre qui est collector, on peut le dire, hein, parce que maintenant j'en ai 21. Oh putain, je me fais vieux, quoi. Oh, l'époque où j'avais 20 ans, putain, je me souviens, c'était vraiment il y a un mois et demi. En tout cas, j'ai pris ça, pourquoi? Ben, tout simplement parce que je vais retirer le verre. Et comme vous pouvez voir, c'est du plastique transparent. Donc, vous allez comprendre. Je vais tout simplement retirer ça, si je peux. Là, c'était collé quoi. Donc je pose ça là, je mets le drone dessus, et derrière comme vous pouvez voir c'est un petit fond vert. Donc en fait je vais le prendre en photo comme ça, je vais l'envoyer à Léa qui me fait les minia, et elle va pouvoir avoir plus de facilité à le découper et à l'intégrer sur la minia. Voilà, comme s'il était en plein vol parce que je vais pas le faire décoller là, tu te doutes bien. Mais je sais pas si t'as capté un petit peu le truc, mais c'est un petit peu de la production hollywoodienne. On va pas se le cacher. Je me pose actuellement la question pourquoi j'ai pas fait ingénieur quoi. Enfin bref, passons. Le gars c'est trop sûr de lui. Enfin bref, voilà, tu vois, je suis en train de préparer le petit hélicoptère. Et ça rajoutera quelque chose de plus à la minia quoi, on va pas se le cacher. Parce que le titre de la vidéo d'hier, vous le savez si vous l'avez vu, et j'espère, c'est que grâce au drone, j'ai pu voir un feu de forêt. Voilà, donc on va mettre le drone, du feu de forêt, moi qui fais... Et puis je pense que ça fera une bonne petite devanture, une bonne petite vitrine pour la vidéo que je vais poster du coup ce soir. Je sais pas pourquoi je parle doucement à la fin des phrases, on dirait un politicien. Allez, au boulot. À tes souhaits, merci. C'est ça de parler tout seul. T'as besoin de personne. Et maintenant, on va prendre en photo ma ganche. Excellent, putain. Allez, hop. Non, on respecte le matériel ici, ok. Regardez-moi cette prestance, quoi. Oh le gars. Oh le gars, il est acteur ou quoi là? Bon, je screen quelques petites parties de cette vidéo très malaisante et que je vais m'empresser de supprimer juste après parce que si quelqu'un tombe dessus, c'est vraiment... La honte. Non, je rigole, je m'en fous. Mais du coup, je vais screen 2-3 petites choses. Je vais lui envoyer les éléments et elle va pouvoir faire une belle petite minia pour la vidéo de ce soir. Je pense que je l'ai déjà assez dit et vous l'avez compris, je pense. Ou alors vraiment, c'est que vous êtes un petit peu dissipé. Donc on se reprend, si on est sur l'ordi, eh ben, on pose le téléphone, hein, et on regarde droit dans les yeux, ok? Est-ce que t'as fait tes devoirs? Est-ce que t'as rangé ta chambre? Non? Eh ben, finis la vidéo d'abord, ok? Le gars est fou, quoi. Le gars est fou, quoi. Bon, les amis, ça y est, je viens d'envoyer tout ça. J'ai également profité de quelques minutes au calme pour réfléchir un petit peu à quelques idées de réel Insta, tout simplement. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir que je définisse laquelle tourner aujourd'hui et poster dès ce soir. C'est ça, quand t'es créatif, qu'est-ce que tu veux? T'es toujours là à trouver des petites idées nouvelles tous les jours. Oh là là. Blague à part, il va falloir que je vous dise un petit peu les deux choses que j'avais à vous dire en rapport avec le vlog d'hier. C'est un petit peu la suite, j'ai envie de dire. Alors, comme vous avez pu le voir, le kiné n'est pas venu hier. Alors, il n'est pas venu, comment dire?
Est-ce qu'il m'a oublié? Pas du tout, pas du tout. C'est juste, il y a eu un gros quiproquo, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ben, mon rendez-vous, c'était pas hier. Hier, on était jeudi. En fait, c'est jeudi prochain. Voilà. Donc, il y a eu un petit malentendu là-dessus. En fait, il m'a pas oublié. Moi, j'ai attendu pour rien. Et tout le monde est content. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a croisé dans mon village. Et il lui a dit, ben, je rattaque lundi et je passerai jeudi. Sauf que ce que mon père a pas capté, c'est que, ben, il lui a dit ça un mardi. Donc, ça pouvait pas être le jeudi qui suivait, donc hier, puisque ben, il a pas encore rattaqué, tout simplement. Enfin bref, c'est pas grave. C'était une petite parenthèse. Il y a pire que ça. Hein. C'est bon. J'ai perdu quoi? 2 heures. C'est énorme, surtout que j'avais un montage à faire. Mais du coup, la deuxième chose, et là c'est un petit peu moins marrant, j'aurais dû commencer par ça finalement, je suis un petit peu bête. Mais comme vous le savez, ces vlogs-là, c'est un petit peu du freestyle, hein. Y a rien qui est écrit, commandé, c'est un petit peu à la one again. Oh, le gars est bilingue, mais arrêtez-le un peu là. J'avais dit qu'on parlerait anglais dans ce vlog. Mais pour ça, il faut avoir vu le précédent, sinon là tu comprends pas. C'est des petites blagues entre vlogs, on appelle ça. En tout cas, ce qui est moins marrant, et là on va reprendre un petit peu notre sérieux, c'est que par rapport au feu que j'ai découvert entre guillemets hier, le feu dont je suis tombé dessus, on va plus dire que ça comme ça, eh bien il paraîtrait qu'il y ait déjà 20 hectares. Alors je sais pas du tout ce que ça représente, hein, on va pas se le cacher. Je sais la valeur que ça représente, mais de là à la visualiser, je ne saurais pas. Donc il y a 20 hectares qui ont été brûlés. Apparemment, il y a 65 sapeurs-pompiers sur le coup et 35 engins, donc c'est pas un petit feu. Et il y a même eu 2 canadaires. Enfin bon, j'espère que ça va se résoudre au plus vite. Et voilà, je voulais vous donner des nouvelles par rapport à tout ça parce que bah, je vous avais dit que je vous en donnerais. Et surtout, voilà, je montre qu'il y a un feu, je dois te donner des petites nouvelles pour vous dire où ça en est. Mais s'il faut qu'on trouve des positifs dans tout ça, c'est que bah, y a personne qui a été blessé ou même pire. Il y a 5 personnes qui ont été évacuées d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. Alors c'est à prendre avec des pincettes. Hein. En tout cas, force à tous ces pompiers et tous ceux qui sont présents pour éteindre des incendies pendant cet été, c'est complètement fou, il y en a partout. Et on va continuer, nous, notre petit vlog qui, je pense, bah, se terminera ce soir. Je vais essayer, je suis pas sûr, hein, parce que la nuit, le boîtier, il faut un réglage spécial. Et comme vous savez, bah, moi, niveau réglage et caméra, ça fait 2. Je pense que vous l'avez vu dans le premier vlog. Mais je vais quand même essayer de filmer un petit peu cette nuit. Il s'annonce pleine de surprises et surtout d'étoiles filantes, on l'espère. C'est pour ça que je vais pas trop parler, parce que d'habitude, je me cut au montage. Peut-être que même cette phrase sera coupée, hein, on sait pas. Mais si le vlog doit se terminer ce soir... Alors, bah, je vais me taire un peu, hein, parce que sinon la vidéo va faire une demi-heure. Les amis, je viens de manger, mais j'ai un coup de barre. Vous imaginez même pas. Alors, je sais pas si je suis le seul à qui ça arrive, mais après manger, il y a des fois où je taperais bien une petite sieste, tu vois. Mais bon, je pense que je vais éviter, parce que là, si je fais une sieste maintenant, ça va encore plus me décaler. Et on perdra de vue notre objectif de reprendre un rythme. Donc, je sais pas trop. Là, il est 15h, franchement... Si je fais une sieste maintenant, c'est foutu quoi, c'est foutu. Donc je pense que je vais me poser un petit peu là, tranquillou, je vais m'écouter un petit peu de musique relaxante, mais sans m'endormir, très important, sans m'endormir. Pardon. Et pendant que je me détends un petit peu, je vais justement réfléchir à quel type de contenu je vais pouvoir poster ce soir sur Instagram. Vous voyez, c'est vraiment définitivement ancré dans ma tête, et c'est limite une obsession, ces réseaux sociaux, mais comme j'ai pu vous le dire hier... C'est une passion, je kiffe trop. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais me poser un petit peu et je vais réfléchir à tout ça et puis on se retrouve juste après. De toute façon, je sais qu'une fois que j'aurai trouvé ma petite idée, tout ça, ça me remotive. Ça me remotive parce que moi, dès que j'ai une idée, il faut que je la tourne de suite. Ah là, il faut que ça soit frais, il faut que ça soit vif. Donc je pense que je vais écouter ça et une fois que j'aurai ma petite idée, je vais dire allez. Allez, on tourne ça quand. Bref, je m'isole un petit peu du bruit et de l'environnement extérieur et je vais m'écouter un petit peu de musique. D'ailleurs, tant que vous êtes dans les commentaires à m'écrire si ça vous arrive ou non, n'hésitez pas à me dire votre musique préférée ou celle que vous voulez que je découvre, par exemple. Parce que je trouve qu'on se partage pas assez les musiques, les amis. La musique, c'est avant tout un partage, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qu'on partage à plusieurs pour faire la fête, s'enjailler. Il faut qu'on se partage les bonnes musiques, les good vibes. Ah, et là, je suis bien, je peux vous dire. Oh putain, en plus, le siège, il est massant, j'avais oublié. Oh, mais ça, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir s'allumer tout ça. Oh là là, j'adore ce qui se passe. Alors ça, les amis, c'est un fauteuil que j'avais eu sous le sapin à Noël. Je l'ai pas beaucoup utilisé, enfin, je me mets juste dessus comme ça. En temps normal, et c'est vrai que j'ai tendance à oublier qu'il est massant. Enfin, plutôt vibrant, vous voyez. Enfin, ça détend quand même, et on va pas s'en priver, hein, croyez-moi. Alors là, vraiment, si je suis pas sur un petit nuage, entre le fauteuil et le casque, qui m'isole de vraiment tout parasite extérieur pouvant s'infiltrer dans mes oreilles, là, je suis au max. Là, je suis au max. Je sais pas si ça s'entend quand ça vibre sur ma cage thoracique, c'est assez marrant. J'ai une voix un peu robotique comme ça, mais bon. Je m'appelle Léo, et je fais des vidéos tous les jours sur le réseau social YouTube.
Allez, presque 16 heures, je prends quelques petites affaires histoire d'avoir ce qu'il faut pour tourner la vidéo et pour rester aussi un petit peu au terrain. Et puis c'est parti, on y va. Ok. Bon, aujourd'hui ça devait être la journée la plus chaude. Bah, je crois qu'ils nous ont pas menti. En plus, moi j'ai eu l'idée d'aller tourner des petits réels dans une voiture. Franchement, il y en a là-dedans, ou pas. Mais ma mère vient juste d'arriver donc je vais lui squatter la voiture et tourner mon petit truc quoi. C'est parti. Tu peux m'expliquer ce que tu fais, Lydia? C'est pour pas que j'ai mal à la tête après. Elle a donc trouvé une technique pour être sur son téléphone tout en se baignant. Bon, la première étape, les amis, ça va être de mettre la voiture à côté du hangar, parce qu'en fait pour le réel je vais simuler deux voitures qui se causent au feu rouge. Voilà. Alors comme d'habitude je vais juste vous filmer des petites scènes coupées, on va dire, sans trop mettre de contexte, et je vous laisserai aller voir sur Instagram bien sûr le résultat final. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à laisser votre commentaire soit sur Instagram soit ici pour me dire ce que vous en avez pensé tout simplement, et si vous voulez voir d'autres choses de ce type sur mes réseaux. Ah. Je suis pas là pour te draguer, c'est juste pour te dire que ton pneu est à plat. Ah, c'est pas mal ça. Bon, maintenant on passe à l'autre personnage, un petit peu plus sympathique, un peu plus valorisant pour moi, j'ai envie de dire. Ou pas. T'en penses quoi, Livia? Ouais, c'est mon maillot quoi. Ouais, c'est ton maillot quoi. Bah écoute, il me va plutôt bien quoi. Bon, fini les conneries, j'ai retrouvé ma petite chevelure d'origine. Je vais faire le montage du petit réel. Il est 17h45, donc ça devrait sortir vers 18h. Allez, on s'y met. Bon allez, retour à la maison, il va falloir que je poste tout ça, que je fasse charger mon petit téléphone parce que là il n'y a plus de batterie. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Livia, du petit réel? Nul. Nul. Ok, ok, c'est pas grave, écoute. Ouais, il était bien. Non, il était bien. Ouais. Voilà, quand c'est validé par la frangine, alors putain, je peux dire, elle se trompe pas souvent parce que là, elle m'évite de poster des conneries des fois. Je plaisante, elle sait même pas lire la pauvre. Bon les amis, il est actuellement 22h, alors il y a eu une grosse coupure entre ce que vous venez de voir et maintenant. Ça m'a laissé le temps de poster la vidéo YouTube, de poster un réel, de répondre à vos commentaires, enfin bref, pas mal de choses, de manger aussi, accessoirement. Mais aussi de me reposer, parce que je vous cache pas que la fatigue quand même était assez présente. Donc là ce qu'on va faire, c'est que j'attends ma sœur devant ma voiture et on va aller observer les étoiles filantes. Il paraît que c'est la pluie d'étoiles filantes ce soir, donc on va pas manquer ça quand même. Donc voilà, on va se poser au terrain, on va s'allonger par terre, et puis on va regarder tout ça. Bon, en tout cas, on essaiera d'en voir un maximum et de vous en filmer aussi. Normalement, j'ai trouvé un petit réglage sympa pour la nuit. Vous voyez que là... vous voyez que là, le réglage est pas trop mal, niveau luminosité. Allô ? Niveau luminosité en français. En tout cas, on va essayer de les compter, de vous le dire. Et vous aussi, de votre côté, si vous en avez regardé, bah dites-moi en commentaire combien vous en avez vu. Combien tu penses que tu vas en voir? Une, ça serait bien déjà. Une, ça serait bien. Moi, je pense qu'on va en voir au minimum 4. Ah. Bon, on a fait 5 mètres, on vient de s'arrêter pour la bonne raison, pour une bonne cause, j'ai envie de dire, parce que Livia est partie chercher une petite enceinte. Parce que c'est bien beau d'attendre les étoiles, mais si on n'a pas de musique à écouter, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner les pouces. Alors, t'as ce qu'il faut? Oui. T'as ce qu'il faut? Oui. Oh là là, ambiance Bressan. Bon allez, vas-y. J'ai pas peur du tout, j'ai dormi dans la forêt, moi je suis un dur. Hein? T'en penses quoi? Non. Non? Bah tu vas voir, hein, moi j'ai pas peur du tout. Bon les amis, bienvenue au terrain. On a pris des petites serviettes et on va se mettre en plein milieu du pré. On va essayer de regarder les étoiles. J'ai lu sur internet qu'il fallait regarder vers le nord-est pour essayer d'en voir un maximum. J'ai des moustiques qui mangent là. Ce n'est pas grave, Livia, le moustique est une information. Arrête! Mange-les. Là, et on va bronzer. On est pas mal là? On va se poser gentiment juste derrière. On va essayer d'observer les étoiles. Bon les amis, franchement vous allez pas nous croire. On vient de se poser. Attends, spoil pas Livia s'il te plaît. On vient de se poser, il y a littéralement même pas 15 secondes. On regarde le ciel. Il y en a pas une qui nous passe en plein milieu. C'est incroyable, incroyable. À mon avis le quota des 4, easy. Easy. Fan de tes yeux et de tes fossettes, celui qui dit l'inverse est malhonnête. Bon, je crie sa perle hypopèse. Bon les amis, il est 23. Il y en a une là, je l'ai vu. Non! Si, si, elle est passée, vraiment, elle était longue celle-là. Mais je l'ai loupée, putain! Oh, elle est là. Je suis dégoûté.
Bon, mais du coup, moi, personnellement, j'en ai vu que 4, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. Hein. Et il est 23h, donc on va se poser encore quelques petites minutes. Du coup, je fais que regarder le ciel au cas où, si j'en loupine. Puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le point. Bon, les amis, je vais vous faire l'outro de ce petit vlog dans la voiture, voilà, avec la lune juste derrière moi. On a vu au total, enfin, moi j'ai vu 8. 8 ? Non, non, j'en ai pas vu 8, j'en ai vu 8. Et j'ai vu 8 étoiles. J'arrivais pas à parler. J'ai vu 8 étoiles filantes. Et toi ? Je sais pas. Elle a pas compté, elle a pas compté. Bon, qu'est-ce que tu veux ? En tout cas, j'espère une fois de plus que vous aurez aimé passer cette petite journée avec moi. Je sais plus vraiment ce qu'on a fait, mais pas grand-chose. Écoutez, c'était un petit peu l'activité de cette journée. Ah, en vrai, tu trouves pas, t'es grave fatigué maintenant ? Ouais, je suis un petit peu fatigué. C'est vrai que de regarder du noir pendant, je sais pas moi, peut-être un petit peu plus d'une heure. Ah bah carrément, 1h40 même. Ça endort, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde s'il y a pas quelqu'un. On est dans notre terrain, tu sais, regarde s'il y a personne. En tout cas les amis, passez une bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'espère que vous aurez kiffé celui-ci. Si c'est le cas, ben on met son petit pouce bleu, bien sûr, on n'hésite pas quoi. Et on s'abonne à la chaîne, c'est très important. Et on active la cloche. Parce que si tu t'abonnes et que t'as... Et si, oublie, tu t'abonnes, oublie. Si tu t'abonnes et que tu n'actives pas la cloche, tu vas pas recevoir les notifications. Voilà, bon mais c'est bien, t'as su finir ma phrase. En tout cas, je pense qu'il est temps que j'aille au lit, enfin plutôt que j'aille faire le montage de ce que vous êtes en train de voir. Voilà, tout simplement, ma vie tourne autour de ça. Et je kiffe. À demain les amis, prenez soin de vous, passez une bonne fin de soirée, je vous fais des bisous. Salut, salut. Salut.